être ingénieur. Donc bien sûr, il y a l'aspect technique qu'on apprend en école. Et un aspect qu'on apprend peut-être pas assez dans les écoles d'ingénieurs, c'est l'aspect relationnel qui est essentiel. C'est plus de la moitié du travail. L'industrie aéronautique, quand on est étudiant, c'est l'industrie la plus noble. Je pense que la majorité des gens veulent faire partie de l'aéronautique. Ici, on fabrique des avions qui sont censés être les meilleurs au monde. Donc forcément, derrière, ça apporte une fierté, une envie de travailler qui est différente peut-être de notre industrie. Plus les gens se connaissent plus ou moins, on se serre la main. Alors je pense que c'est aussi lié à une forte culture sud-ouest. Voilà, une culture, une complicité qu'on peut avoir plus facilement entre nous, dans la région, qu'on peut avoir peut-être dans d'autres régions. Le but de la robotisation, de l'automatisation, c'est de garder pour une entreprise, de toujours avoir une longueur d'avance sur les autres entreprises. Et ça, c'est un aspect hyper stratégique, puisque finalement, c'est aussi le but, c'est de garder le travail ici. Donc c'est un aspect stratégique et humain qui est très stimulant. De bons avions ou de bons hélicoptères ont besoin de très bonnes pièces. Il faut quand même voir que derrière il y a des gens et il y a des humains qui vont être soit secourus, soit transportés par ces pièces-là. Les pièces s'apparentent à quelque chose d'exceptionnel, un peu comme une œuvre d'art. Dans le sens où on a une nécessité de toujours réaliser quelque chose de beau, de propre et de concret. On est toujours dans une évolution constante et une recherche de l'excellence. Ça procure quand même une forte estime de soi du fait de toujours chercher à s'améliorer et à avancer.
qui fait l'aéronautique quand même, au départ, c'est la passion. Donc finalement, si on est passionné, on peut arriver à tout. J'ai pas mal bricolé dans mon garage. Puis quand je suis arrivé sur les multirotors, je me suis dit c'est vraiment la solution pour aller intervenir en milieu urbain, proche des gens. Ça, c'est des choses que j'ai ressenties. Et après, force de rencontre, on est arrivé à là où on en est aujourd'hui, à avoir une start-up avec une ambiance dynamique. Travailler là-dessus tous les jours, c'est certain que c'est plus que valorisant, effectivement. Le matin, on vient travailler avec le sourire, on ne vient pas en reculant. C'est presque une bande de copains, finalement, qui développe des produits haute technologie. On part de rien, on a des idées, on les met sur la table, on échange nos points de vue. Après, on s'y met tous, on crée quelque chose pendant plusieurs mois s'il faut. Et à la fin, c'est on va sur le terrain, on teste, on redéveloppe s'il y a besoin d'améliorer des choses. On va jusqu'au bout en fait du projet et ça, c'est magnifique. Le fait d'être une fille dans une équipe de garçons, ça implique de devoir faire un peu ses preuves au niveau de la technique. Moi ce que j'apporte en plus, c'est mon petit côté féminin, mon petit côté organisation, implication. L'aéronautique en Aquitaine est peut-être moins médiatisée que dans les Midi-Pyrénées, mais je pense qu'elle est au moins aussi importante. Il y a une plus grande diversité et donc plus de spécialisation. Il y a tout un passif qui fait qu'il y a une culture, on va dire, en Aquitaine, une culture aéronautique. Donc on est dans un milieu... dans le milieu naturel, finalement, pour développer l'aéronautique du futur. Il va toujours y avoir une place pour quelqu'un qui veut s'investir dans son travail, qui veut avoir envie de constamment évoluer. On est valorisé, en fait. C'est-à-dire qu'on nous écoute, on est intéressé, c'est quelque chose qui donne envie aux gens.